Ah bon, non, 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 non. Non. Ah, merci. Mais il faudrait qu'il y ait ça. Oui, c'est vrai. En plus, non, pour une projection, bien sûr. Non, non, il me ressemble. Dans quel niveau de. Le nez. Sauf qu'il a les traits un peu plus. Les traits un peu plus. Refais les gestes parce qu'il n'a pas eu. Bah, les. Je sais pas comment on appelle les arêtes. Les arêtes. Voilà. Je suis plein d'arêtes, attends, comme un gros poisson. Les petites dents fines comme ça aussi, mais. Mais. Elle a les traits un peu plus gros. C'est-à-dire qu'au niveau du nez, quand même, elle est pas pareil. Ah ouais, mais il peut pas avoir un nez comme ça. La taille, il fait 1 mètre, pas plus grand que vous, hein. Mais c'est incroyable. Vas-y, continue. Sauf qu'il est plus brun. Oui. Mais il est plus herculéen, vous voyez. Ah, pourtant, il a un peu plus de muscles. Mais pourtant, tu as vu dans la vidéo, comme je vois. Voilà, et après, bon, malheureusement, il lisait... Papa est toujours mieux, bien sûr. Ben, et il lisait Bernanos, il lisait L'Idiot International, à l'époque où vous publiez dans L'Idiot International. Et puis... Après, il a rencontré ma mère, il écrit des lettres où il reprenait les phrases de Bernanos et il lui écrivait quoi dans ses... En lui disant que c'était Bernanos ou il piquait? Ah non, il disait que c'était Bernanos. Ah oui, d'accord, très bien. Et voilà, et après, bon, à partir de là, il a commencé un peu à se désintéresser à la littérature, etc. Mais à la maison, on conserve tous les Idiots Internationaux de l'époque et c'est comme ça que moi j'ai connu, je vous ai connu. À quel âge alors? Tu avais quel âge? Moi, j'avais 15 ans. Tout ça, je fumais un peu chez moi, puis je tombais sur. J'ai tout lu quoi, j'ai lu tous les Idiots Internationaux, et puis j'étais tombée sur l'article de Serge Gainsbourg là, ça m'avait fait rire, et puis après je me suis dit, tiens, on va regarder sur internet tout simplement, puis là tu l'as lu. Et après aussi sur internet, Non, je peux pas, par contre ça faut pas le publier parce que c'est trop personnel hein. Bah oui, évidemment. Non, mais vous rigolez, mais. Et alors, voilà. Tu dois dire ça. Et après, donc, sur internet, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était vraiment un grand fan de vous. Et qui ressemblait à ton père aussi? Non. Enfin, non. Il y avait un désert, mais. En fait, ce qu'il y avait. Ah, toujours désert. Donc, tu me vois partout. Mais non, dans tes amis. Ou alors, peut-être que c'est pas. Dès que quelqu'un me lit, il se transforme en moi. Ça arrive, c'est une auto-métamorphose. Voilà. Bon, et non. Là, c'est-à-dire que lui était né le même jour que Léon Bonne, déjà. D'accord. Et 11 juillet. Voilà. Avec un parcours aussi riche, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé. N'exagérant rien. Non, mais il est passé à la Grande Chartreuse, etc. Ah oui, d'accord. Et donc après ça, quand je lis des choses comme l'âge du Christ, c'est. Voilà. Et alors? Je n'ai rien d'autre à dire de plus. Et alors, cette amie, tu l'as connue, toi, son ami? Non, parce que. T'as pas envie de le connaître? Bon, pas spécialement. Non, je connais pas parce que. Voir si peut-être que tu vas avoir. Tu auras au moins deux points communs avec lui. Non, mais arrêtez, ça va, c'est déjà si bien un peu ça. Alors... Mais alors, comment ça s'est passé? Quelle a été la cause de la rupture? Il me lisait pas assez. Non, c'est-à-dire que. Non, j'ai pas envie de le dire. Mais pourquoi? Parce que ça concerne les concernés, j'ai pas besoin de le raconter. Et ça a duré combien de temps? Bon. 3 jours. Un an et demi. Combien? Un an et demi. Ah non, oui, quand même. D'accord. Bernanos pour draguer, ça marche. Voilà. Mais quel était le plus nabien des deux entre Germain et ce garçon? C'est lui quand même, c'est pour ça que tu restes avec lui. Donc c'est celui non qui... mais moi j'ai pas fait de choix, celui moi qui... je n'ai jamais fait de choix. T'as jamais fait... C'est celui qui emporte ton cœur, c'est le plus nabien. C'est ça ton critère? Non. Je me sens un peu exclu moi, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je... Non, si je fais pas le dindon de la farce. Et tu les testes les uns après les autres? Des quiz le soir? Dans quel livre a-t-il dit ça? Arrêtez, c'est pas drôle! Le petit faute, le mec est viré! Non. Non, mais Germain, il est très bon. Il sait beaucoup de choses, hein. Il le mérite. Il le mérite? Pourquoi? Il est trop timide pour parler pour lui-même. Parle pour lui. Bah non. Moi, c'est pareil. Un peu de vin. Ouais, vas-y. Oh, il adore ça, lui. Bah oui. Carburant. Et l'autre, il aimait ça aussi? Non. Ah bon, d'accord. Et donc tous les Nabiens ne se ressemblent pas. Il était quoi? Il était musulman. Ah, il était musulman? Bah oui, mais il faut le dire. Ça change tout, ça. Il était musulman. Mais tu le connais? Ah bon? Tu le connais? Non, mais peut-être. C'est trop. Comment il s'appelait? Ah ouais. Aziz. Comment on dit?
Non, il s'appelle... Ah, c'est un musulman, d'accord. Bien sûr avec les navires, mais il peut se faire draguer aussi par les navires. Ah bon? Par quel navire? Non, tu veux pas dire ça, mais non. Ici présent. Ici présent. Ici présent. Non, dans cette pièce. Dans cette pièce, oui. Ok. Mais il se souvient pas, je pense. C'est parce que c'était sur internet, je pense qu'il s'appelle cette... Comment on va réparer ça? Franchement. Bon, ni Nicole est exclue. Moi, alors je vois la mèche. C'est pas nous, non. Oui, mais c'est pas non. David Noir, si. Non, c'est non. David. Mais t'es un traître. Mais tu savais pas. C'est pas méchant. C'est David. Mais c'est David. Moi, ouais, tu le prends pas mal, c'est tout. Mais quand? Il avait le rapport. Non, tu ne te rappelles pas, mais c'était sur internet. Mais il y a longtemps alors. Avant... Mais comment tu sais ça? Avant qu'elle vienne faire la lecture. C'est-à-dire qu'il fouille dans mes conversations. Il regarde dans tes boîtes mail. Moi, j'appelle pas ça un Nabia, hein. Excuse-moi, hein. J'essaie pas de faire ça, moi. Bah, moi, je pense que sur internet, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de mort. Parce que ça me dérange pas dans la mesure où. Mais c'était quand honnête, mais... C'était avant la lecture? De quoi? Ah, bien avant, bien avant. Ah, bien avant. Vous m'êtes désolé d'avoir vendu la mèche. Désolé, vraiment. Ha 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 ha!